les différents voyages que j'ai pu faire à travers toute l'Europe, et puis en poussant au Proche-Orient, et puis en machin, et puis la Chine. Mais la Chine et le monde arabe, c'est des peuples qui ont un rapport avec leur primauté, avec presque leur... Si on peut aller jusqu'au primitif, c'est des peuples qui ont un rapport avec leur primitif qui est complètement... Ben ouais, mais t'as oublié le peuple. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais t'as oublié là. À notre époque, c'est les subsahariens et qui vont gagner même contre les musulmans ou contre les chinois. Hein. En fait, c'est toujours le rapport, c'est-à-dire que les peuples, l'Occident, et quand je mets l'Occident, on peut mettre aussi maintenant l'Orient, hein, les Chinois, enfin le monde civilisé, si on veut, l'hémisphère nord, est arrivé dans une période de surculture. On a trop avancé dans le culturel. Le woke, c'est ça, c'est des symptômes de ça. On est dans la surculture, tu vois. Et on oublie, et c'est des sociétés qui deviennent, d'un point de vue naturaliste, mortifères, tu vois, avec la promotion de toutes les idéologies qui sont la plus mortifère possible. Et à ce petit jeu-là, c'est la nature qui va reprendre ses droits et sur la culture, en fait. Et, oui. Et là, par exemple, ce qu'on voit là, à Lampedusa, là, les 6000 migrants qui arrivent, mais je sais pas si c'est pour, j'allais dire, je vous rassure, ou je sais pas si c'est pour vous rassurer, mais ça, c'est les vaguelettes d'un tsunami qui va arriver dans les 50 prochaines années et qui va emporter le monde, quoi. Mais mec, c'est bon, il y a Bardella, t'inquiète. Et puis, toujours de rappeler depuis, il faut le marteler, ça. C'est que jusqu'à 1850, on était moins d'un milliard sur Terre. Donc, et là qu'aujourd'hui, on est 8 milliards 5. Il y a eu, en 150 ans, on a fait x 8. C'est un truc de malade. Et donc, du coup, bah, forcément, plus tu augmentes la quantité, c'est comme en économie. Tu vois, ce qui fait la richesse d'une chose, c'est sa rareté, en fait. Et donc, plus tu augmentes le nombre d'individus sur Terre, plus chaque partie, chaque individu pris isolément a moins de qualité, en fait. C'est de la logique pure, en fait, quoi. C'est, et le type humain qui arrive à grands pas, c'est ce que souhaite quelqu'un comme Kalergi dans son livre. C'est un espèce, lui, il appelle ça des îlots négro-asiates, je crois il appelle ça comme ça. C'est ce qu'on pourrait appeler un Brésilien, quoi. C'est un Mexicain, quoi. C'est la mexicanisation du monde, quoi. La brésilianisation du monde, et qui se fait à tout niveau, qui, comme tout chez les êtres humains, comme je le dis tout le temps, c'est bioculturel. Donc, ça se fait à la fois au niveau biologique, au niveau ethnique, ce mélange sous-qualitatif, mais ça va se voir aussi culturellement avec une espèce de comment on appelle ça, l'anglais de comptoir, quoi, une espèce de globiche, tout le monde va parler plus ou moins anglais avec des notions très connes, c'est le principe même des émoticônes maintenant, tu vois, on se fait même pucher à écrire, on met un smiley, tu vois, on va vers de plus en plus de, quand je dis de bêtises, c'est presque un jugement de valeur, non, on va vers de plus en plus de médiocrité, en gros. C'est ça, pour moi, ce qu'on vit à grande échelle au niveau cyclique, quoi. Et c'est à la fois un mouvement naturel, mais comme on l'a dit tout à l'heure quand je parlais des sabbataïstes et tout, c'est aussi, ou quand on parle justement de Kalergi, qui faisait partie de ce genre d'organisation paramaçonnique, parce que son livre « Idéalisme pratique », c'est le sigle des Rose-Croix, hein, sur son livre, ben voilà, c'est le projet démondialiste de la bourgeoisie que j'appelle judéo-protestante. C'est leur projet, quoi. Et ça provient à ça. J'aimerais te poser une question. Dark Angel, je ne sais pas si c'est du troll, mais je ne crois pas. Hein, Dark Angel, c'est un commentateur régulier. Que pensez-vous d'Harry Potter, réalité ou fiction? Cette œuvre fait-elle partie de la tradition? Alors, que pensez-vous d'Harry Potter? Pour moi, c'est de la merde, c'est de la sorcellerie. J'en étais sûr. La sorcellerie donnée aux gamins, réalité ou fiction? Ben, fiction. Et cette œuvre fait-elle partie de la tradition? Non, c'est anti-traditionnel. Allez, bam. Moi, je pense que tout n'est pas à foutre à la poubelle dedans, mais c'est vrai que je comprends pourquoi tu dis ça. Il y a des trucs, ouais. Moi, je trouve qu'il y a du bon quand même.
Après, moi, je suis un connard, j'ai lu zéro film, j'ai lu zéro livre. Ouais. Non, mais le vrai problème, c'est marrant, parce que c'était un truc, avec Slow, ce serait intéressant d'en discuter, parce qu'il est plutôt de ton côté, je pense, il a le même point de vue que toi. Mais moi, je pense que la fantasy, elle a du bon, en fait, et elle peut réveiller quelque chose dans l'âme, elle peut remettre quelque chose de bon. Le problème, c'est comment on est construit à la base pour recevoir ça. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on balance du Harry Potter, on balance des trucs comme ça sur des gamins qui n'ont pas de structure minimum, on va dire entre guillemets traditionnelle, tu vois, pour en faire quelque chose de bon, en fait. Parce que, je pense que les mômes qui sont nés encore dans un pays où la morale chrétienne était encore présente, où il y avait encore du bon sens, où il y avait encore quelque chose qui tenait la route, tu leur montres Harry Potter, ils ne vont pas finir par faire des dingueries avec des planches Ouija ou se prendre pour des sorciers, acheter des mauvais sorts sur tout le monde. Tu vois, ouais, mais dans un monde chrétien, la femme qui a écrit Harry Potter, elle finit au bûcher. Non, je comprends ce que tu dis, mais je parlais par exemple il y a 70 ans, 80 ans de ça, tu vois, par exemple. Oui. À ce compte-là, moi, je préférerais Tolkien, à la rigueur. Ouais, Tolkien, c'est cool. Pas que c'est traditionnel, mais c'est moins occultiste et moins à râler pâquerette, quoi. Enfin, c'est plus grandiose, quoi. Harry Potter, c'est un peu cheap, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. Et il y a un côté. Alors, comment dire ça pour ne pas dire des choses trop bourrines? Vas-y. En fait, dis-le à la Pierre-Yves. En fait, beaucoup de super-héros et de personnages mis en avant dans la culture populaire moderne sont vétérotestamentaires dans l'âme, c'est-à-dire ils sont élus, ils ont des super-pouvoirs, et c'est l'inverse du héros grec ou de Jésus, mais moi Jésus, je le prends pour un héros grec, c'est la légende du petit Poucet, quoi, qui a rien du tout. Mais il s'en sort par sa persévérance, parce qu'il est chaud à combattre des éléments et finalement, il arrive à monter par ses propres moyens et pas par des super-pouvoirs qu'il aurait. Ça, je suis d'accord. Et ça, c'est ce que pense Ralph aussi. Il avait fait une super vidéo là-dessus, d'ailleurs, je m'en souviens à l'époque. Et ça, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le culte de l'homme tout-puissant, qui a tous les pouvoirs, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est le problème qu'on va trouver dans Harry Potter et dans d'autres trucs modernes comme ça. C'est qu'il n'y a pas de divinité suprême au-dessus, quoi, qui les aide et qui les pousse, ou je ne sais pas quoi, tu vois. Voilà, il n'y a pas de super-pouvoir, quoi. C'est vrai. Moi, c'est un truc, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est un truc que je déplore. Et c'est notamment pour ça que je chie copieusement sur tout ce qui est Marvel et compagnie. Parce que c'est l'homme tout-puissant qui a des super-pouvoirs et c'est par son nombril qu'il triomphe parce qu'il est trop fort et qu'il poutre tout le monde, etc. etc. quoi. Voilà, alors, et puis c'est un mauvais exemple pour la jeunesse. C'est que ouais, je suis d'accord. C'est de croire que, tu sais... En fait, j'ai des super pouvoirs, mais personne ne le voit, personne ne me comprend, alors qu'en fait, je suis un être exceptionnel. Ouais. Alors que les anciennes morales, c'était, t'es une merde, fais quelque chose de tes 10 doigts, et puis tu vas être respecté. Et tu deviendras exceptionnel. Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord, ça c'est clair. C'est vrai que la fantaisie moderne est construite sur ce truc égocentrique de l'homme tout puissant, machin et tout. Et d'ailleurs, qui se retrouve tout puissant dans un claquement de doigts, tu vois, genre d'un seul coup, il a des super pouvoirs, c'est une dinguerie. Il n'y a rien branlé pour, tu vois, mais... Alors que c'est vrai que dans l'ancienne fantasy, on va dire ça comme ça, il fallait fournir un effort, il fallait partir en quête, il fallait galérer, trébucher, se relever, continuer, il fallait s'accomplir en fait. Et ça, c'était autre chose. Et voire même, il fallait perdre hein, aussi. C'est aussi tout à fait. La vision consumériste, tu sais, du winner, tu vois, la vision très, très américaine. Dans plein d'histoires qui, là, pour le coup, sont traditionnelles ou quoi. Je pense, par exemple, au conte du Graal, à part Galahad, tous, ils échouent, mais ça devient des hommes. Mais tous, ils sont devenus des hommes, tu vois. Perceval, il échoue, mais c'est plus le petit gars complètement frustre et ignorant de sa forêt du début à la fin, quoi. À la fin, c'est un chevalier, quoi, qui, certes, t'as des vainqueurs méprisables,
Et à l'inverse, tu as des gens qui ont perdu, mais qui sont honorables, en fait. Tu vois, ouais, ouais, tout à fait. Non, mais il y a cette dimension de valeur, etc., qui a pu aujourd'hui. Ça, c'est certain. C'est-à-dire que ben, ces mecs-là, avec le transhumanisme, vont vouloir pallier à des déficiences. Et on va avoir encore une homogénéité. Quand Néandertal a commencé à coloniser le Proche-Orient après, bien après que les Proche-Orientaux ont colonisé ou sont implantés en Europe pendant les différentes périodes climatiques propices, eh bien, on a eu affaire à des disparités génétiques et morphiques qui étaient hallucinantes. On avait dans la plaine du Proche-Orient, donc ça, c'est le premier, hein, c'est le premier, tu vois, le Liban, l'Iran et tout ça. On avait des mecs de 2m30. On avait des mecs de 2m30. Alors évidemment, les mecs de 2m30, ils avaient les yeux bleus, mais ils étaient sourds, ils étaient couverts d'eczéma, ils étaient schizophrènes, ils étaient machin. Ouais, mais ils faisaient 2m30. Vas-y, Michel, fous-leur un masque sur la gueule, on va en faire une divinité. Hop. Et puis, tout s'est goupillé comme ça. Et aujourd'hui, en fait, avec le transhumanisme, moi, ce qui va me gêner, c'est qu'on arrive en fait à des palliations de faiblesse. Tu vois ? Donc, rien ne va. Ça ne va rien amener. Ça ne va rien amener. C'est logique, en fait. Tu vois ? C'est logique, le truc. C'est des prothèses. C'est logique, c'est prothèses. Que c'est de la merde. Ça ne va rien amener. Tout à fait. Tout à fait. Comme je dis, c'est des prothèses. La prothèse. Au lieu de manger 800 grammes, ben, t'auras besoin de bouffer 150 grammes. Mais c'est de la merde. Comme je dis, les prothèses, ils sont pour les handicapés. Hein. C'est parce qu'on est handicapé qu'on a besoin de ce genre de prothèses. Non, mais bien sûr. C'est comme pour moi, une femme, si elle doute, ça veut dire que justement, elle est livrée à elle-même. Et c'est parce que la femme, elle a besoin de certitude, tu vois. Elle a besoin, alors que l'homme peut vivre avec des doutes. Je sais pas comment dire. C'est comme un peu dans un couple. Si la femme, elle commence à avoir un doute sur « est-ce qu'il m'aime ? Est-ce que c'est véritablement l'homme de ma vie ?» C'est le début de la fin, en fait. Une femme, pour qu'elle soit attirée par un homme, il faut que l'homme la... Je ne sais pas comment dire, c'est peut-être exagéré, la subjugue. Je ne sais pas quel mot employer sans tomber dans la misogynie, parce que j'allais dire qu'il faudrait que l'homme la commande, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas que la commande, c'est qu'il faut que la femme se soumette à la volonté de l'homme qui lui enlève ses doutes, et l'homme doit, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, être un... J'allais dire un tuteur, mais comme chez les plantes, en fait, un pôle, une épaule sur laquelle se poser, tu vois, quelqu'un en qui tu as confiance, quoi, tu vois, parce que sinon, la femme livrée à elle-même, elle est rongée par ses doutes, justement, quoi, de doutes qui viendraient du monde grec et la dévotion. Donc le non-doute, tu vois, la foi, tu vois. D'ailleurs, c'est le doute, c'est masculin, un doute, et le mot foi, il est féminin. Et ben, le mariage du doute, du scepticisme gréco-latin, marié à la dévotion, on va dire, venue du prophétisme abrahamique, ben, ça a donné les cathédrales, ça a donné le beau Moyen-Âge, en fait, tu vois. Mais pour moi, le côté plus féminin est plus dévotionnel, et donc au niveau de la croyance, au niveau de la foi, et que le principe plus masculin serait au niveau du doute, de la remise en question, de la recherche de science et tout ça, tu vois. Presque un côté un peu prométhéen, tu vois. Je pense qu'au final, on est d'accord. Après, au niveau de la perception géographique du truc... le doute féminin va être beaucoup plus physique, va être, on va dire, à 2m50, et puis le doute masculin, on va être à 25 km. C'est pas, tu vois, par rapport au Moyen-Âge, là, j'ai lu un bouquin. En fait, de toute façon, Raphaël, moi, j'ai vraiment un problème avec le concept de société patriarcale ou de société matriarcale, en fait, parce que, par exemple,
Tu vois, dans mon vocabulaire à moi, donc ça n'engage que moi, dans ma façon de penser ou quoi, mais je sais pas, le communisme ou le nazisme, par exemple, c'est typiquement matriarcal, parce que c'est des collectivismes. C'est la chaleur du collectif, tu vois. Oui, tu le prends comme ça. Tu le prends comme ça. Ouais, je le prends comme ça. Donc, du coup, et je sais que l'anthropologie moderne, pour eux, là, je suis un hérétique, je dis n'importe quoi, tu vois, mais moi, du coup, c'est pour ça que j'emploie jamais, dans aucun de mes ouvrages, j'emploie jamais le terme patriarcal ou matriarcal pour caractériser une civilisation, en fait. Alors, si tu veux, moi, j'ai vraiment un point de vue. Qui va être entre guillemets plus bourrin, plus brut de décoffrage, qui va être beaucoup plus mammiférien. Hein. Tu vois, je ne vais même pas péter aussi loin que toi, Thierry. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment le fonctionnement de la famille nucléaire de base, comme il y a chez le renard, le chimpanzé, la perdrix et l'humain. Hein. Mais moi, justement, c'est aussi pour ça que je suis pérennialiste et que je suis quand même très spiritualiste. Tu vois, je suis pas de l'avier, quoi, en gros. Même si ce qu'il dit peut être très intéressant. Et effectivement, l'être humain est un mammifère, mais on est plus qu'un mammifère. On a besoin d'autre chose, quoi. Tu vois, c'est la fameuse expression de Jésus, l'homme ne vit pas que de pain. Et certes, on est des mammifères, on est des animaux, il n'y a pas de problème. On répond à des règles animales et des règles de mammifères, mais on est quand même un règne supérieur et les êtres humains, ils sont, j'allais dire, moins prévisibles, moins, ils ont plus de culture que de nature par rapport aux animaux, quoi, en gros. Donc, c'est là où c'est beaucoup plus complexe. C'est que quand je parlais de société patriarcale, matriarcale. Oui, mais pour ce faire, moi je pense que pour ce faire, alors c'est là où je pense que je suis à rebours de toi, c'est que pour ce faire, pour moi, il faut une synchronisation animale pour permettre ça. Tu vois, pour permettre que la bonne femme puisse douter, la femelle renard ne va pas douter du mâle renard, on est d'accord, et vice versa. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir douter l'un et l'autre et qu'on va. Ça va permettre aussi les grands questionnements modernes et amener là-dessus, et bien c'est ça, c'est cette synchronicité au niveau du couple, de la famille, de la structure entre guillemets animale et du fonctionnement animal de la famille. Tu vois, ouais, mais moi, du coup, je pense que l'être humain est bien plus intelligent que ça. Tu peux commencer à partir entre guillemets. Ouais, mais parce que moi, je suis d'accord avec toi. Mais sinon, ça s'appelle le tous contre tous, ça s'appelle le chaos ou l'anarchie. Et je veux dire, même les peuples les plus arriérés, les plus primitifs, archaïques, sauvages, enfin, quel que soit le qualificatif, s'ils sont maintenus dans l'histoire, c'est qu'ils avaient compris les principes biologiques et naturalistes de la vie en société chez les êtres humains. Mais par contre, tous ces peuples, même, je vous dis, hein, les plus archaïques, avaient des dieux, avaient des rites, avaient des totems, avaient des tabous, avaient des codes sociaux. J'allais dire, même plus on remonte en arrière et plus ils étaient présents, ces codes sociaux. Donc, tu vois, c'est dans ce sens que l'être humain, il est bien plus complexe et bien plus subtil que n'importe qu'une vache, qu'un mouton ou qu'un lapin, hein, tu vois. Complètement d'accord, mais tu vois, c'était pour faire le lien avec ce qu'on disait avant sur le doute. Perso, moi, je pense que le doute, c'est un luxe. Mais, tu vois, pour moi, le doute est un luxe et ne pourra s'instaurer à partir du moment où tu vis bien. Tu as assez à bouffer, t'as pas froid l'hiver, t'as pas trop chaud l'été, tu vois. Et là, tu vas pouvoir mettre en place un doute. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Là, je suis d'accord, mais. Tu vois, c'était pour faire le lien avec ça. Sinon, t'es une bête sauvage, t'es une feuille morte soumise au vent. Et ça arrive hein, dans l'histoire de l'humanité, hein, des périodes de régression culturelle et intellectuelle de malades où le but c'est la survie et la reproduction. Mais t'es d'accord que dans l'histoire, même très ancienne, on a vu des populations, c'est bon, ils avaient à bouffer, ils arrivaient à se reproduire, ils arrivaient à pas crever de froid l'hiver. Je dis pas que c'était facile, mais du coup, un doute et un questionnement sur l'univers a pu avoir lieu, même chez des peuples que l'on dit primitifs ou que l'on dit archaïques, mais qui, en fait, n'ont rien demandé à personne. Enfin, tu vois, ils ont fait leur truc, quoi, tu vois, mais ouais. Ils ont fait leur truc d'être humain. Donc, un truc d'être humain, ça implique des fois d'aller presque,
je sais pas comment dire, peut-être pas à l'encontre des lois naturelles, mais d'aller dans la culture pure, quoi, tu vois. Et moi, je te dis, pour avoir le, je sais que toi aussi, t'as lu beaucoup d'anthropologues et d'ethnologues, même au fin fond de la Papouasie, mais t'as des codes sociaux de malades mentaux, tu vois, des trucs ultra complexes, quoi, ou des cosmogonies ultra complexes, quoi, tu vois. Complètement, c'est ça. D'ailleurs, c'est ça qui est fascinant, et c'est ce qui fait que on se pose ces questions, c'est que au fin fond de la Papouasie, comme tu dis, on va taper sur des mecs qui ont 62 de QI, et puis à 30 km, il y en a qui vont taper du 130 de QI dans la même dans la tribu. Tu regardes les gueules, il n'y a pas de différence, tu vois, au niveau de la physionomie, de la morphie et tout, tu vois. Et je vais en parler il y a une heure et demie, là. Tu sais, quand je te parlais de César, quand il a fait dans la guerre des Gaules, et qu'il explique qu'il arrive chez des Suisses qui ont 17 monèmes, mais qui sont beaux, qui ont des traits fins, qui ont des machins, mais c'est parce qu'il y a eu une perte culturelle, alors que la perte génétique ne peut pas se faire comme ça, alors que la perte culturelle, en une génération, c'est plié. Tu vois, tu peux pas douter, tu vois. On a déjà parlé de ça avec Ralph dans un live privé sur l'âge d'or. Pour lui, c'est pas ma pensée, hein, mais on n'était pas spécialement d'accord, mais là-dessus, c'est de la spéculation et son point de vue est très intéressant. Pour lui, c'est la civilisation qui rend compte les êtres humains. Et que du coup, ce groupe avec 17 mots vus par Jules César, en fait, pour Ralph, c'est que ce peuple vivait son âge d'or. Oui. Parce que pour lui, la civilisation, c'est la domestication, c'est la solidification. Et plus tu vas inventer de mots, de termes, et plus tu es dans la complexité, les sociétés complexes, qui au bout du bout, c'est de l'enculage de mouche, en fait, tu vois. Alors que peut-être qu'un peuple qui vit dans l'instant présent, tu vois, est peut-être plus heureux, et c'est peut-être ça, ce souvenir de l'âge d'or, quoi. Je sais pas mon avis, parce que c'est très naturaliste et tout, mais je trouve ça quand même ultra intéressant comme façon de penser. Hein. C'est super intéressant parce que, tu vois, si on continue sur cet exemple, 150 ans après, comme je te disais, 6 générations, ce même peuple, c'était le peuple le plus évolué des Gallo-Romains. Tu vois ? Ouais, mais est-ce que c'était le peuple le plus heureux ? Alors voilà, parce qu'ils ont tapé un âge d'or de ouf, alors que tous les autres autour étaient dans l'âge de fer. Donc, bon, entamé une décadence, tu vois. Alors qu'eux, ils étaient dans l'explosion. Voilà. J'ai dans ma voiture, là, en ce moment, moi, j'ai le, je sais pas si tu vois ce que c'est, j'ai le Riad Sadio. Tu sais, le Maxi, Fris Corleone et H22. Ah oui, ouais, je vois carrément, mais je n'ai pas écouté ça. Ça te tabasse, quoi. Ça te tabasse la tête, quoi. Ah ouais. J'étais avec mon gamin, là, quand on est allé dans le Tarn, en bagnole. Je l'avais bien, bien fort et tout. Et tu sais, vu qu'il n'est pas très long, c'est un 10 titres. Quand il s'est terminé, tu sais, mon gamin, mais il a failli chialer. Il m'a dit, vas-y, non, mais remets-le, papa, il est trop bien. On ne disait pas un mot. Non, franchement, c'est de la grosse tuerie. Je crois qu'il n'a pas été très bien reçu parce que je te dis, là, pour le coup, il y a des grosses infrabasses. Il est très drill dans l'ambiance. Mais moi, j'aime beaucoup ce style musical qui commence à dater hein, maintenant. Et je sais que les aficionados de rap sont saoulés par la mode de la drill dans le rap français. Alors que moi, j'aime bien toujours. Moi, j'aime bien, en fait. Non, après, c'est goût, hein, c'est juste. Ouais. Non, moi, la drill, ça ne me dérange pas. Je suis pas encore gavé, mais par contre, c'est H22. Tu vois, sa façon de chuchoter, là, je ne suis pas fan. Moi, j'aime beaucoup. Je préfère Freeze, bien sûr, au niveau de son timbre de voix et tout ça. Mais non, moi, j'aime bien H22. J'aime bien l'ambiance. Voilà. Ah, non, mais je vais l'écouter. Je vais l'écouter, du coup. Je vais me faire mon avis. Ah ouais, le Riad Sadio, il est pas mal du tout. Il a une bonne ambiance. Bonne ambiance du cimetière. Là. Mélange de cimetière, de catacombes et d'égout, quoi. Oh, et tu sais quoi, j'ai vu une vidéo là sur YouTube. C'était
les 5 featuring les moins connus de Freeze Corleone. Et si tu tapes ça sur YouTube, mais mec, mais il a fait des featuring avec des gars qu'on connaît pas, quoi. Mais notamment avec un rappeur italien, hein, donc complètement inconnu en France. Mais il a sorti un couplet, mais de l'enfer, quoi. Je te jure. Et sur les 5, il y en a 3. Mais il y en a 3 là que j'écoute en boucle parce que. Ah bah vas-y, vas-y, bah je regarderai. Je regarderai parce que moi aussi, hein, j'aime bien. Moi, c'était il y a 3-4 ans. Il était au summum, quoi. Franchement. Ouais, et ben justement, c'est dans ces eaux-là. Et il y a un featuring avec RAS. Et c'est un gars du 93, je crois. Et ça s'appelle Projet Cobra 2. Okay. Écoute ça, tu vas halluciner, vraiment. Ah non, mais je sais. Moi, tu sais, mon titre préféré de Freeze Corleone, c'est celui avec Gazo, là. Ouais, Drill FR4. Ouais, ce titre-là, il me pète la tête, quoi. Eh ben, mais franchement, écoute Cobra 2. Ok, bah, vas-y. Ok, c'est cool. Ouais. Alors, bah, je vois que. Bah, désolé hein, si on parle de. Mais moi, je pensais qu'on allait en parler plus. Plutôt de ça, quoi. Attends, c'est quand même normal de faire une petite chronique hip-hop. D'ailleurs, c'est beau ce que dit Merzin Belidouek. Là, on revient dans la métaphysique, tu sais, sur les questions de est-ce que la vie, c'est une épreuve, tu sais. Et magnifique phrase hein, de Merzin Belidouek. Dieu s'est suicidé parce que sa toute-puissance ne peut rien contre la tragédie de sa solitude. C'est une magnifique phrase, Merzin. C'est un peu ce que je pense. Et c'est ça le sacrifice primordial. C'est l'auto-sacrifice de Dieu qui aurait pu rester en lui-même et qui a suscité une création pour ne pas contre la tragédie de sa solitude, en fait. Bien sûr, c'est magnifique. Parfait aphorisme. Ouais. Et ça rejoint un peu l'idée que tu disais tout à l'heure, avec laquelle je suis complètement d'accord. Dieu, c'est comme un enfant qui joue à se découvrir lui-même grâce à nous, en fait. Il s'est divisé, il a explosé en Big Bang, il s'est divisé pour lancer une partie, pour apprendre à mieux se connaître. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Pour que c'est presque un peu égocentrique, j'en sais rien, mais pour que ces créatures l'aiment, quoi, tu vois, le loup, quoi, tu vois. Ouais, et qu'on fasse le choix de revenir en lui, et que à la fin de l'expérience, on va tous rejoindre l'unité, et il aura fait enfin l'expérience d'apprendre à se connaître. Entièrement. De l'altérité, l'expérience de l'altérité, l'expérience de la multiplicité et du coup de la naissance, de la mort, tu vois, alors que lui, il est en lui-même sans commencement ni fin, quoi. Ouais. Et la souffrance, l'amour, tous les sentiments, enfin. Et c'est dans ce sens-là que je disais que c'était exotériquement, la vie, c'est une épreuve pour qu'on ait la foi et qu'on reconnaisse Dieu, mais au bout du ésotériquement, c'était presque une épreuve que se donnait Dieu à lui-même, en fait. Tu vois. Exactement. Ouais. Et René Gaming dit Merzim, et ça, je pense que. Enfin, moi, je l'ai déjà dit cette phrase, donc je suis 100% d'accord avec René Gaming. Dieu est sorti de lui-même pour jouer à se retrouver car il s'emmerdait. C'est exactement ça, quoi, aussi. On peut le voir comme ça, en fait. Et c'est là où le mythe est ultra intéressant, parce qu'en fait, les mythes, ils parlent de ça, mais c'est compliqué à expliquer tout ça. Donc, t'es bien obligé de le faire de façon imagée pour que la majorité, tu sais, entre 7 et 77 ans, que les gens comprennent cette histoire, tu vois. Ouais. C'est l'histoire du géant primordial, tu vois, dans les cultures archaïques de Sibérie, une culture chamanique. On dit que Dieu, c'était un géant primordial qui a été démembré, en fait, et que chaque partie de l'univers
Bah, c'est sa tête, ses bras, son ventre. On retrouve ça dans l'hindouisme aussi également. Oui, c'est ce que j'allais dire, dans l'hindouisme aussi, il y a beaucoup ça, même Pantagruel, hein, ouais. Dans les traditions du sud de la France, il y a un peu le géant primordial. Un coup, il a pissé par là, ça fait une rivière, il a chié, ça fait une montagne, des trucs comme ça. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours cette notion de jeu, la vie n'est qu'un jeu, en fait. Ouais, ouais. Moi, je le pense aussi, et c'est pour ça que je suis pas très religieux. C'est que pour un religieux, notamment des monothéismes abrahamiques, la vie, c'est un drame ou une tragédie. Alors que moi, c'est plutôt une pièce de théâtre, un peu comme un film, là, pour le coup, tu vois, un film où il t'arrive des épreuves, des trucs pas cool, mais en même temps, tu serres la meuf, tu finis par niquer tes ennemis, enfin, tu vois ce que je veux dire, la vie, elle est, c'est pas un long fleuve tranquille, justement, où t'as juste à te soumettre à un espèce de Dieu tout-puissant, à t'agenouiller devant lui. J'aime bien aussi, c'est très païen, je le sais, mais j'aime bien cette mentalité de voir les dieux, les puissances divines, comme des alliés temporaires ou des ennemis temporaires, en fait. Ouais, comme une pièce de théâtre, une comédie burlesque. Oui. Peut-être pas burlesque, mais pas aussi sérieuse que ne le veulent nous le faire croire les exotérismes, notamment abrahamiques, ou toutes les religions, on va dire, dévotionnelles. Et à notre époque, tout est comme ça, tu vois, le culte du chef, le culte du gourou, le culte de « c'est moi qui ai raison, les autres sont damnés », tout ça. Alors qu'en fait, non, ouais, c'est un grand jeu que Dieu s'est à lui-même donné, et nous, on doit être ses fidèles acteurs, quoi. Et jouer le rôle qu'il nous a attribué, quoi. Parce que c'est le metteur en scène, c'est le producteur, c'est le scénariste, ouais, c'est le propriétaire de la salle, c'est tout, hein. C'est le diffuseur. Je vais te raconter une histoire, une fois où j'avais pris beaucoup, beaucoup de substances. J'ai eu une expérience qui n'a pas duré très longtemps. Mais je me suis retrouvé hors du temps et de l'espace, et j'étais pris comme dans un espèce de manège géant, un espèce de tourbillon immense, et en fait c'était comme un manège avec plein de petits diablotins, plein de petits anges, plein de gens c'était même pas des gens, c'était des entités, quoi, qui étaient mortes de rire et tout, et il y avait vraiment cet aspect de grande blague, comme une grande farce, un grand cirque, quoi, tu vois. Ça a pas duré longtemps, hein. Je suis vite revenu à moi, mais... Non, pas tout à fait. Moi, j'ai eu le même type d'expérience sous substance également, et je vois tout à fait ce que... Mais c'est pour ça aussi que tu le vois, mais je sais pas comment dire, mes miniatures, où il y a des squelettes qui dansent, il y a une espèce de bouche de l'enfer qui crache des sorcières, des dragons, des squelettes avec des tambours, tu vois ce que je veux dire, des squelettes qui jouent de la trompette ou ce genre de trucs. Moi, franchement, je trouve ça me fait trop marrer, tu vois, je trouve ça ultra sympathique, c'est-à-dire que. Tu vois, ma miniature, elle peut paraître dark, elle peut paraître satanique. Moi, je suis désolé. C'est comme quand je parlais de Fritz Corleone. Je dois avoir sûrement une vibration trop basse, alors que pourtant, je suis pas satanique. Moi, ça me fait marrer, en fait. Ça me fait marrer parce que il y a quelque chose au fin fond de mon fort intérieur qui me dit que la vie, c'est un peu ça, quoi. Parce qu'en gros, tu sais, moi, je dis que je suis misanthrope, alors que c'est pas forcément vrai, mais... En gros, les autres, c'est tous des démons qui jouent de la trompette, quoi, en gros. Ouais. Et puis... Ils font des coups de pute, bah, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est comme dans les tableaux de Bruegel, tu vois. C'est des espèces de masses grouillantes. Et si tu regardes les détails, tu as des gens avec un nez rouge, l'œil bien inquiétant.
t'as des petites meufs super pures, mais qui en fait finalement cachent leur jeu. Tu vois, c'est ça la vie, tu vois. Et c'est bien chiant, mais en même temps, c'est bien cool, tu vois. C'est comme ça, moi, quand je me lève le matin, je l'avais déjà dit quelques fois, je sais que moi, je serai jamais heureux, mais en même temps, je sais que je serai jamais malheureux, quoi. Que tu vois, la vie, c'est la roue du destin. T'as la déesse fortune qui tourne la roue de la fortune, et toi, t'es au milieu avec les yeux bandés, et des fois, t'as la tête en bas, des fois, t'as la tête en haut. Quand t'as la tête en haut, tu te prends pour plus grand que ce que tu n'es, et puis t'inquiètes que deux, trois semaines après ou deux, trois ans après, en fait, la vie, elle te remet la tête en bas, puis tu diras, j'aurais mieux fait d'être beaucoup plus humble, je suis qu'une grosse merde et tout, puis après, hop, elle va remonter, tu diras, non, en fait, je suis pas une si grosse merde que ça. Enfin, tu vois, c'est la vie, en fait, tu vois, c'est le destin, quoi, qui joue avec nos nerfs, quoi. Et notre intelligence, notre second degré, si on veut. XYZ, l'ASMR est-il une pratique chamanique des anciens ? Alors, j'en sais rien du tout. Mais alors, par contre, moi qui m'intéresse aux phénomènes de société, à la sociologie de comptoir, l'ASMR m'interroge sur son degré de nocivité ou de bienveillance, en fait. Moi, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que pour moi, c'est une espèce de paraphilie. Tu vois, on a déjà parlé avec Audrey des paraphilies, des trucs, des pratiques sexuelles un peu hors norme, quoi, en dehors de la normalité. Pour moi, la ASMR, c'est de l'espèce de porno soft pour, et c'est là où, en fait, pour moi, tout ça, c'est des symptômes. L'ASMR, c'est un symptôme des petits Européens qui ont la fatigue de vivre. Et franchement, vous croyez que les Nigérians, les Érythréens, les Somaliens qui traversent la Méditerranée, qui traversent le Maghreb, déjà, il faut traverser le Maghreb, ensuite la Méditerranée pour arriver à Lampedusa, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de l'ASMR, quoi, tu vois ? Ça, c'est vraiment un putain de truc, soit de décadent ou de dégénéré, ou les deux à la fois, mais de peuples qui ont la fatigue de vivre. Et comme je parlais tout à l'heure de Fritz Corleone, il y a un côté de moi qui comprend ça, en fait. Je ne sais pas comment dire. Le monde, il est tellement con, tellement cruel, tellement basé sur du fake ou du matériel grossier. Tu sais, c'est le même symptôme que j'avais vu un reportage sur les jeunes japonais qui payaient des meufs, c'était des prostituées, mais c'était même pas des meufs pour les niquer, en fait, c'était pas pour avoir une prestation sexuelle, c'était juste pour mettre leur tête sur leurs genoux. Tu sais, genre, et c'est vrai que c'est cool, tu vois, quand t'as une meuf, tu mets ta tête sur tes genoux, tu sais, t'es un peu crevé le dimanche après-midi, tu regardes une série de merde et je sais pas, où tu dors à moitié sur ta meuf, tu vois, c'est cool en fait comme ambiance, quoi. Mais il y a des gars qui sont obligés de payer pour retrouver, enfin, j'allais dire retrouver, mais ils l'ont jamais connu, tu vois, sinon t'en as rien à foutre, tu vois, pour trouver quelque chose du chaleureux, en fait. C'est même plus du charnel, tu vois, c'est du chaleureux, tu vois. C'est-à-dire que le monde, il est tellement froid. Et l'ASMR, c'est peut-être donner un peu de chaleur à des gros geeks puceaux devant leur ordi, quoi, tu vois. Enfin, vous voyez, je veux vous entendre là-dessus, les gars, mais c'est pas un sujet inintéressant, l'ASMR. Allô ? Ouais, excuse-moi, la question du monsieur, du XYZ, là, je l'avais déjà repéré tout à l'heure, parce que je me demande si c'est pas, il n'y a pas de chamanique là-dedans, un peu de parler doucement, il n'y avait pas des systèmes comme ça avant pour initier. Ça, moi, non. Là, par contre, là-dessus, non. Non, non. Pour moi, c'est pas une pratique chamanique des anciens. C'est une pratique très moderne de petits occidentaux ou d'asiatiques qui vivent dans des sociétés surorganisées et qui ont juste le besoin charnel d'entendre une petite voix gentille de ton pote ou de ta meuf à l'oreille, tu vois. C'est pas seulement une petite voix, la ASMR, il y a aussi un côté où tu parles comme ça, tu sais, comme quand on se parlait tout doucement dans la chambre avec notre frère, on voulait pas que nos parents nous entendent, ou quand ta meuf... Ouais, 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 ouais.
toi. Tu vois, c'est un truc comme ça. Non, ouais. Non, il y a vraiment une déviance sexuelle. Les gars, ils bandent plus. Ils bandent plus. Bah oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est que. En fait, tu vois, moi, je dois penser comme un homme préhistorique, mais par exemple, une meuf qui m'intéresse, j'ai envie de la serrer. Et les petits mots doux sur l'oreiller, ça vient en surplus. Et d'ailleurs, c'est plus sexuel, c'est juste, tu vois, la chaleur de vivre de deux humains. Enfin, je sais pas, c'est l'amour là pour le coup. Voilà. Des petits trucs du quotidien, tu sais, des petits sourires, des petits mots sur la table. Tu vois, quand tu te réveilles le matin, tu vois, par exemple, ta meuf, elle va bosser une heure avant toi. Tu te réveilles et elle t'a mis un petit mot, elle t'a préparé un petit truc, il y a un petit sourire. Tu vois, vraiment des trucs. Ce que je dis, tu sais, ça peut paraître romantique à deux balles, mais en fait, c'est cool. Enfin, c'est ça que tu te dis, qui fait que tu te dis que cette personne, elle est, je sais pas, elle pense à toi et tout ça fait du bien, tu vois. Puis tu lui rends l'appareil, tu vois. Excuse-moi, je voulais dire, t'as pas remarqué que dans cette époque, enfin, je sais pas, bon, t'as. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les meufs, maintenant, elles adorent, par exemple, les relations où on va commencer par les mots doux, on va se parler au téléphone, des heures, dire bonne nuit, avant de se pécho. Ou avant de se rencontrer. Ah ouais, c'est vrai. Hein, mais moi, je n'ai aucun succès auprès de ce style de meuf. Ah, je déteste. Ça rejoint aussi Mime, OnlyFans, où les mecs sont prêts à payer sans rien en retour. Hein, sans rien en retour. Ah oui, oui. Oh, c'est pour ça, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, j'ai commencé à parler de paraphilie, donc il y a forcément un peu le côté sexuel derrière, mais c'est de la sexualité ultra cheap, et en fait, c'est des gens qui sont en manque d'affection. Voilà. Là, c'est même pas. Tu vois, il y a vraiment des gens qui sont en manque de sexe, en manque de charnel, mais qui peuvent avoir de l'affection. De leurs parents, de leurs potes, de leur sœur ou de leurs frères. Mais ils ont une misère sexuelle. Mais là, l'ASMR ou ce genre de truc, c'est pour des gens qui sont bien sûr en misère sexuelle, mais même limite, ils l'ont acté, tu vois, ils ont acté que ça sera des puceaux jusqu'à la fin de leur vie, mais ils sont en misère affective. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas un cousin, une maman, un pote... à qui appeler, si ça est donc, ils sont obligés de payer des prestations ou d'être consommateurs de prestations qui vont leur rappeler ce que c'est que la bienveillance entre êtres humains, quoi. Et là, tu es au bout du bout du. les grandes victimes du patriarcat. Pardon. Vas-y. Non, mais je sais. Et moi, j'avais vu, c'était il y a 3-4 ans, c'était une pub. Je sais pas, je regardais les playoffs NBA sur une chaîne américaine et tu avais une pub donc américaine et c'était un radio réveil mais un peu type Tamagotchi. En fait, le radio réveil, il est à côté de ton lit, mais en fait, c'est ta meuf, tu vois. Ton radio réveil t'envoie des messages à midi pour dire « J'espère que ça s'est bien passé ton boulot, mon chéri. Mange bien à la cantine, machin, tu vois, c'est ton radio réveil qui t'envoie des messages, tu vois, comme si c'était ta meuf qui s'occupait de toi, tu vois, dans la journée, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'était une vraie pub à des heures d'audience de ouf sur CNN, hein, ou, enfin ESPN, hein, ce que je vous dis, c'est... Ta meuf ou sa mère. Et moi, ça m'avait choqué, je me suis dit, putain, mais c'est horrible, tu sais, genre, il y a ton radio réveil qui t'envoie un petit message, bon courage, mon chéri, je sais que t'as une réunion... bien chiante aujourd'hui, je pense à toi, bisous, tu vois, et ça, c'est ton radio réveil qui te l'envoie, quoi. Mais là, on y est, hein. En Asie, il y a des mecs, leur meuf, leur copine, c'est une IA. Ouais, bah là, c'est exactement ça, ouais. Et ça, je trouve ça incroyablement pathétique, incroyablement triste, et totalement anti-chamanique, totalement moderne, donc XYZ, l'ASMR, c'est une pratique dégueulasse d'un monde fatigué de vivre et qui n'a plus de relations sociales et de relations humaines, quoi. Moi, je veux dire, et sans faire mon romantique à deux balles, mais je veux dire, je sais pas, ma meuf, si elle sait que j'ai un truc important à faire, elle peut m'envoyer un petit texto en mode... J'espère que ça va bien pour toi. Moi, je fais ci, moi, je fais ça, tu vois.
ça me fait plaisir, tu vois, je suis dans mon truc, puis tu vois, je reçois le texto, j'ai un petit sourire en mode, ah, bah, c'est cool, elle est gentille, elle est sympa, je la rappellerai plus tard, enfin, tu vois, mais ça, ce que je dis, c'est pas incroyable, tu vois, c'est pas non plus, ça s'appelle, ou ça peut être un pote, ou ça peut être ta mère, ou ton père, ou ta sœur, tu vois, mais quelqu'un qui pense à toi, qui sait que t'as quelque chose d'important ce jour-là, qui le sait, et qui t'envoie un petit message d'encouragement, un petit message gentil. Bon, moi, c'est là où j'ai pas à me plaindre non plus à ce niveau-là. J'ai beau me dire misanthrope, je suis quand même entre guillemets bien entouré, et ça m'arrive toujours aujourd'hui d'avoir ce type de petite attention, intention et intention, et d'ailleurs les deux vont ensemble, pour moi, et puis ça me fait plaisir, et puis tu vois, c'est des petites choses qui te font du bien dans le quotidien, quoi, parce que c'est une personne que t'aimes et qui t'aime et qui te le montre par un petit signe de merde, quoi. Et eux, juste le petit signe de merde, ils ont besoin de le payer, mais ça veut dire qu'ils l'ont pas gratuitement. Et c'est là où c'est pathétique, voire triste, quoi, tu vois, voire horrible d'ailleurs. On peut aller très loin dans l'horreur. Moi, je trouve ça horrible, en fait. Cult of Damned, cult Mountain. Attention, gros rap, gros boom bap à l'ancienne. Ouais. Ralph, il avait dit, ouais. Son père, il disait que collectionner des livres est un truc de pauvre, dont je fais partie. Ouais, bah, moi pareil. Finalement, tu mises sur le capital culturel, en fait, parce que t'as pas le capital tout court, quoi. Mais ouais. Parce qu'en général, tu sais, chez les rappeurs, il n'y a pas beaucoup de courage politique. En général, c'est beaucoup de la fausse rebellitude pour la plupart. Ouais, tout à fait. Et de voir un mec comme ça qui s'en bat les couilles, mais genre à fond, tu vois. Bah surtout là, le dernier, il y va à fond, en fait, tu vois, il joue d'ailleurs sur cette carte, tu vois, c'est même du marketing, en fait, quoi, tu vois. Ouais. Les deux premiers titres, il y a des extraits de Roselyne Bachelot, de Pascal Pro, qui parlent de lui sur CNews et tout, tu vois. En compte de l'idiocratie, tu sais, c'est ça qu'il veut montrer d'ailleurs, de l'idiocratie. Putain, mais les gars, ils font des débats de merde sur, alors que tu sais, c'est des grosses punchlines, tu sais, c'est du gros ego trip à deux balles. Et lui, il en rigole, tu vois. Moi, ce qui me fait trop rire, c'est vraiment, enfin, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais quand Pascal Pro, il dit déterminé comme le jeune Adolphe. Mais je veux dire, c'est pas grave, c'est pas antisémite comme phase, en fait. C'est une grosse phase d'ego trip de rap, comme il y en a eu depuis 40 ans que le rap existe, en fait, tu vois. Ça veut pas dire qu'il est pro-hitlérien quand il dit ça. Vous êtes trop con, quoi. Enfin, tu vois, c'est idiocratie, en fait. T'as un discours de Roselyne Bachelot, je sais pas où c'est, à l'Assemblée ou sur CNews et tout, mais tu sais, t'as l'impression qu'elle est trop sérieuse. Elle parle des phases de Freeze Corleone, mais t'as envie de lui dire, mais putain, mais t'es trop conne, tu vois, mais je veux dire, c'est les poubelles de l'histoire, t'as rien compris, on s'en bat les couilles, c'est tellement con. Non, mais pas d'autre chose à foutre en tant que ministre ou je sais pas quoi. Il n'y a pas d'autre problème, tu vois. Si le problème sur Terre, c'est Freeze Corleone qui dit j'arrive déterminé comme le jeune Adolphe, c'est ça le problème sur Terre, quoi. Mais ça veut dire qu'on est au paradis. On est au paradis. C'est ça le problème, en fait, sur Terre. Il n'y a pas d'autre chose à régler, quoi. En plus, moi, tu sais, c'est quoi qui me fait rigoler à chaque fois dans ce monde médiatique et tout? C'est que c'est toujours. L'apologie de la rebellitude, tu vois, c'est genre mai 68, genre on s'en bat les couilles, on insulte tout, on déconstruit tout, machin. Mais dès que tu commences à taper sur des trucs et tout, tout d'un coup, les gens, ça devient des sœurs nitouches et tout. Ils sont là, ils te font la leçon de morale, non, machin. Alors que. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais il y a un truc. Là, je vais. Là, ça va être très complotiste ce que je vais dire, mais par contre, des rappeurs qui vendent
de la musique quoi qui marche. Freeze Corleone, lui, il bourrine sur les pédophiles. Il fait dans chaque texte, chaque titre de son album, il fait des phases sur les pédophiles. Quoi. Ou je sais pas, il dit PDM pour Pierre Palmade et pour comment il s'appelle le gars de Canal et pour Thierry Ardisson, tu vois, c'est-à-dire peine de mort, tu vois, pour Pierre Palmade et Thierry Ardisson. Et moi, tu vois, j'écoute, je me dis oh, t'as raison, je suis 100% d'accord. Bah ouais. Du coup, bah ouais, le showbiz et le la bien-pensance institutionnelle des médias, ils aiment pas quand ils disent ça, quoi. Ouais, et c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une époque où, genre, la pédophilie, c'était pas, enfin, où la sexualité en général, c'était pas un gros sujet de ouf et on. Enfin, c'était ouais. Toujours important, mais c'était pas genre au centre de la géopolitique. Et maintenant, ce qui est étrange, ce qui s'est rajouté en fait à tous les autres niveaux de politique qu'on connaissait, l'économie, la politique mondiale, machin, les guerres, le pétrole, machin. Maintenant, t'as la sexualité et spécifiquement la pédophilie. Et depuis, tu vois, le truc de Epstein et Lille, etc. Et ben en fait, la pédophilie maintenant, qui est en fait un développement de l'homosexualité, et ben c'est vraiment un gros, gros, gros sujet. Et ça va l'être de plus en plus, quoi. Et de voir un mec qui tape, un rappeur en plus qui tape sur la pédophilie, tu vois, normalement, tout le monde devrait être là, genre, bravo, t'as bien raison, les pédophiles, c'est de la merde et tout. Et ben moi, je pense que genre, dans 20-30 ans, eh ben on sera des vieux cons, tu vois, à dire qu'on est contre la pédophilie et tout. Et genre, tu auras toute une génération qui aura grandi avec la sexualité positive, le LGBT, machin, qui vont nous expliquer. Franchement, je suis d'accord avec toi. On va tout à fait ce que tu veux dire. Hein. Je suis sur la même longueur d'onde que toi. Le seul truc, c'est que je me dis, ben c'est peut-être moi là pour le coup qui suis trop idéaliste, et tu me connais, hein, moi le pessimiste maladif, je me dis, tu sais, c'est un clapet que tu pourras pas ouvrir sur le grand public. C'est-à-dire que, parce que tu vois, genre Libération, tout ça, ça va faire 30-40 ans hein, qu'ils veulent essayer de mettre le sujet de la, je sais pas comment dire, normaliser la pédophilie. Il y a eu plein de tribunes, plein d'auteurs, plein de gens qui sont venus donner leur avis là-dessus. Et ça a jamais pris auprès du grand public, parce que d'après moi, tu sais, c'est une limite anthropologique. Tu sais, c'est un peu comme l'inceste. Tu sais, c'est des tabous primordiaux. Et genre, non, tu niques pas des gamins et ou tu baisses pas ta fille, quoi. Enfin, tu vois, c'est des trucs. Même les bantous, ils ont compris, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Non, bah, écoute, bah, en fait, quand on arrivera là, je suis d'accord, ça peut arriver là, Mojave, mais ce que tu dis, c'est vraiment la fin des temps. Mais en fait, ça va arriver là, mais tu vois, de la même manière un peu que le Covid, tu vois, c'est genre, les gens, ils sont programmés mentalement, tu vois, ce sera genre la doxa, en fait, ce sera genre, tu vois, quand tu poses des questions à des gens dans la rue, même si dans leur fort intérieur, ils savent que c'est de la merde sur n'importe quel sujet, tu vois. Et ben les gens, ils ont tous la bonne case du bon truc à dire. Ça me rappelle une vidéo que j'avais vue sur Instagram où il y avait une vieille dans un ascenseur ouais. Qui était avec sa voisine et puis elle disait « Ah non, moi je vote Mélenchon, non Marine Le Pen, c'est n'importe quoi et tout. » Et dès que sa voisine se barre, elle parle au mec et tout. Le mec, il filme et elle lui dit « Ah non, en fait, moi j'ai voté Marine Le Pen depuis 10 ans, machin, je dis ça juste pour elle. » Et en fait, je pense qu'il y aura une programmation mentale qui fera que ce sera bien vu, en fait, de dire « Ouais, c'est bien l'LGBT, la pédophilie et tout. » Mais en fait, ouais. La nature… Les enfants ont le droit à la sexualité, ouais. Tu vois. Ils vont l'amener comme ça, hein, de toute manière. C'est sûr, ouais. Surtout, rappelez-vous, en France, l'âge du consentement sexuel, c'est 15 ans.
Ouais. Donc, on y est. Non, mais c'est vrai que c'est des, et ça, d'ailleurs, c'est des questions légitimes à se poser dans une société. C'est que, imagine un gars de 22 ans qui sort avec une gamine de 16 ans. Tu vois, je suis pas à faire comme Soral, tu sais, ces histoires d'éphébophilie ou je sais pas quoi. Non, non, ça, c'est de la pédophilie. Justement, un adolescent ou une adolescente, quand toi, tu es déjà passé à l'âge adulte, voilà. Mais aujourd'hui, où on est des éternels adolescents, imagine un gars de 22 ans, tu vois, à moitié puceau, qui n'a pas trop d'expérience, en fait, il tombe amoureux d'une adolescente de 16 ans. Ouais. Et ben lui, il est adulte, et la meuf, tu vois, c'est que 4 ans d'écart. C'est, on s'en fout dans un couple, 4 ans d'écart. Ouais, ça va. Bah ouais, bah, dis-toi. Ouais, ouais, mais pour de vrai, au niveau de la loi, c'est un adulte qui couche avec une mineure, tu vois. De toute façon, dans tous les problèmes de la vie, le problème, c'est les cas limites, en fait. C'est juste que eux, ils veulent que ça soit des gros porcs de 60 ans, des gros boomers qui baisent avec des gamines de 12 ans. Là, tu vois ce que je veux dire? Au bout du bout, c'est ça qu'ils veulent nous faire avaler, mais ils vont toujours passer, c'est ça que je veux dire, en gros, par des cas limites. Moi, je pense que, ben justement, moi, je pense que c'est ambivalent, c'est un peu à double tranchant. Je pense qu'il y a, il y a de l'attaque politique. Hein. Je pense qu'il y a des classes politiques qui se tirent dans les jambes. Tu vois, je pense qu'il y a des partis plutôt de gauche qui sont très très justement versés pédophilie, tout beaucoup plus et que dans les. Je suis d'accord et tu as raison, c'est que les droitards américains. Donc là, je parle pas en France, hein, parce qu'en France, t'as une espèce de consensus. Ouais, en gros, gauche comme droite, c'est tous des pédos satanistes, quoi, pour moi. Quoi. Et là, je parle comme un gros complotiste. Et que aux États-Unis, Trump, alors même avec tous ses mauvais côtés, sa vulgarité, sa bêtise à Trump, par contre, lui, il bourrine hein, sur vraiment, il fait des tweets là-dessus que fait aucun homme politique, même les pires, tu sais, même je sais pas les Zemmour ou n'importe qui, tu vois. Y a vraiment que les gros droitards complotistes, Boris Lelay, qui peuvent parler de ça, tu vois. mais Trump sur ce sujet-là, là, j'avoue, et c'est peut-être du marketing pour plaire à une certaine frange et tout. Mais le concept d'élite pédosataniste est mis en avant dans l'alt-right américaine et par Donald Trump. Quoi. Ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'était un des gros sujets, en fait, de ce qu'on appelait à l'époque les QAnon. Ouais, ouais. Vraiment, tu vois, à ce moment-là, avec Hillary. Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas, moi, c'est mon avis, là, moi, je fais du supra-complotisme, que ça fait partie du complot. Le QAnon, c'est de l'ingénierie sociale, exactement comme le film Son of Freedom ou exactement comme Carl Zero. Sachant que, comme je l'ai dit, hein, je ne juge pas, je ne sonde pas les reins, je suis pas. Donc, si ça se trouve, un gars comme Carl Zero, il est tout à fait honnête dans sa démarche où les producteurs du film Son of Freedom, ils veulent vraiment dénoncer un truc. Tu vois, il n'y a pas de calcul, mais. Comprends que j'ai des doutes et que je me dis est-ce que c'est pas en fait les ultimes armes des comploteurs que de balancer du pseudo-complotisme qui va pas jusqu'au bout du truc quoi. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui prennent prison à vie. Je dis pas peine de mort parce que ça n'existe pas dans les pays occidentaux pour ce genre de délit quoi. Mais tu sais qu'ils prennent vraiment vraiment cher quoi. Et j'ai l'impression qu'on a affaire à beaucoup d'hommes de paille, beaucoup de rumeurs, mais que quand il s'agit de taper vraiment pour de vrai, quoi, tu vois, il n'y a plus personne. Quoi. Et donc, sur le film Son of Freedom, je n'ai pas vu le film, j'en ai rien à foutre des polémiques, donc Dom Lang et tous les gens, oui, c'était sûrement avant qu'on gardait secret et tout, si c'est un vrai truc subversif qui dénonce vraiment des trucs avec des noms, tu vois, au bout d'un moment aussi, Il faut des noms. Ouais. Et que c'est bien joli,
Moi, j'ai déjà fait des monologues infinis sur Carl Zero et je veux pas, tu vois, pour le coup, même Fritz Corleone, il fait des SO, des shout-out à Carl Zero. Ok, pourquoi pas, mais pour moi, ça reste un gars du mainstream qui est peut-être là pour faire de l'opposition contrôlée, ouais, en fait. De la contre-propagande ou... Comme je l'ai dit, c'est si une affaire mérite qu'on la prenne et qu'on s'en occupe à 100%, des gens comme Carl Zero, peut-être, qui dénoncent 50%, ce qui est déjà énorme, tu vois. Donc peut-être que aussi ça fait son travail, et peut-être que le gars est de bonne foi, tu vois. Ouais. Mais au final, il y a 50% qui est occulté, quoi. Ouais, en fait, tu sais, ça me rappelle quoi? Moi, je prends toujours le Covid, parce que le Covid, c'est vraiment cas d'école de ouf. Cas d'école, ouais, tout à fait. C'est vraiment impressionnant, le Covid. C'était super. En fait, c'était de la merde, mais c'était super pour nous apprendre comment il fonctionne. À un moment donné, tu te rappelles, il nous montait au pinacle 24 heures sur 24, le professeur Raoult et tout. Tu te rappelles? Ouais, mais bien sûr. Et tu, les gens qui sont sur ma chaîne le savent, je n'ai jamais été ultra chaud du professeur Raoult. Hein. Ouais. Et en fait, il disait plein de trucs bien, en fait. Et j'ai l'impression que ces gens-là, en fait, on va dire le système, il ne peut pas complètement faire une chape de plomb, tu vois, genre hermétique, où il n'y a personne de l'autre côté. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne font pas... en fait, il y a des niveaux d'opposition contrôlée. Je dirais qu'il y a des mecs qui sont des oppositions contrôlées, c'est des pourris de A à Z. Mais sinon, il y a aussi des oppositions contrôlées où genre on donne la parole à certaines personnes pour faire croire qu'il y a un débat, que le schmilblick il avance, pour que la soupape, justement, elle libère un peu de la pression pour faire genre, ouais, ah, c'est bon, il y a quand même des gens qui font le boulot, donc ça va, il n'y a pas trop besoin de faire des trucs genre... Et bah, 100% d'accord. Bah, pour moi, c'est ça, en fait. Quand le professeur Raoult, il avait sûrement raison sur plein de choses, mais... ce qui m'a toujours fait chier, c'est qu'on dise le professeur Raoult, c'était le gars qui était contre l'État, alors qu'en fait, c'était le scientifique, le médecin qui se prenait le plus de thunes de l'État. Bah ouais. Tu vois, donc déjà, c'est bizarre. Et tout simplement, pote avec Bernard-Henri Lévy, quoi. Ouais. Moi, si toi, Mojave, j'apprends que t'es pote avec Bernard-Henri Lévy, je vais me méfier de ce que tu racontes sur mes libres antennes, quoi. Direct, quoi. Ouais, comme quoi le monde, en fait, il est toujours gris, quoi, c'est jamais noir ou blanc. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me saoulait avec ces gens-là, et même le professeur Montagnier, tu vois, même, alors que le professeur Montagnier, franchement, avant de mourir, il a tout balancé, il a balancé du archi, archi lourd. Mais moi, ce qui me casse les couilles avec ces gens-là, c'est que, mec, t'as bouffé dans la gamelle des vaccins toute ta vie, tu vois, genre le mec, il a bouffé sur le vaccin, à vacciner les gens, et après au dernier moment, genre sur le Covid, il dit certaines vérités. Après, c'est louable, tu vois, mais quand même, tu vois, je sais pas, c'est un peu sous le fait. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je m'étais pas pris la tête, mais tu sais, moi j'ai été très ami et très proche de Pierre d'Ortillé, paix à son âme, et nos points où là on ne pouvait plus être d'accord, c'était quelque chose qui était, c'est que Pierre d'Ortillé c'était un bourgeois, moi je ne suis pas bourgeois, et que en fait le professeur Raoult ou Carl Zero, c'est des bourgeois. Tu vois, là je parle comme un gros marxiste, hein, pour le coup, Pierre d'Ortillé avait tous les livres de Karl Marx dans sa bibliothèque, hein, donc je suis pas un hérétique ou quoi, hein, et on avait des discussions ultra intéressantes et on était d'accord à 95% du temps. Mais là, au bout du bout, où on n'était pas d'accord, donc, et ça rejoint pour moi ce que tu dis, en fait, c'est que qu'on soit même de la classe moyenne, même supérieure, on est des prolos par rapport à tous ces super bourgeois dont on parle, en fait. Voilà.
C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le bordel, quoi. C'est incroyablement le bordel. Et puis, je te dis, ce qui est chiant, c'est de devoir se justifier parce que moi, les migrants, tu vois, les histoires à Lampedusa, il y a 6000 migrants, bah oui, oui, c'est l'invasion migratoire. Oui, oui, c'est le grand remplacement. Mais pourquoi nous, on ne défend pas nos frontières? Pourquoi nous, on ne fait pas de gamins? C'est aussi notre faute, tu vois. Exactement. Quelqu'un de carré qui est fier de son héritage et il laisse pas rentrer n'importe qui dans son territoire, tu vois. D'ailleurs, c'est rigolo. Moi, ça m'a fait rigoler cette histoire là des deux gars en jet ski qui se sont fait fusiller. Ah ouais, les Marocains, ouais. Parce que bah ouais, mais ça s'appelle un pays souverain en fait. T'as deux gars qui font les malins, qui voient un refus d'obtempérer en jet ski. Au bout d'un moment, ils se prennent une balle dans la tête. Je dis pas que c'est mérité ou quoi, mais c'est logique. Mais je comprends le délire, en fait. C'est normal, en fait. C'est logique. C'est exactement. Et tu le vois même parce que tout est une façon de penser, en fait. Je parlais dans une des dernières Libre Antennes. Je trouve ça incroyable, les lois, tu sais, sur les squatteurs, tu vois. Genre, tu pars bosser, tu reviens, il y a un gars qui est chez toi, et en fait, tu n'as pas le droit de l'expulser ou de faire une action violente contre lui, quoi. Tu vois, en gros, c'est un truc de malade mental, ça. Enfin, je veux dire, c'est le chaos, en fait. Si, là, c'est le monde postmoderne. Ouais. Oh, baf. Franchement, c'est le monde postmoderne, mais français, hein, franchement. Parce que dans beaucoup de pays qui sont certes postmodernes, un squatteur, t'appelles la police, il dégage le squatteur et puis tu rentres chez toi, quoi. J'ai même vu, il y avait des lois, il faudrait regarder, hein, je ne suis pas un spécialiste, mais il y avait des projets de loi, c'était que si les squatteurs n'était pas content, tu vois, de la salubrité du lieu, il pouvait porter plainte contre le propriétaire, quoi, tu vois. Exactement comme si c'était des locataires qui payaient un loyer, sauf que les gars, ils sont venus sans rien demander. Mais là, c'est. Le mec, il a des droits. Et c'est là où il y a de la subversion, du complot, mais au bout du bout, il y a quand même de l'idiocratie, hein, quand même. Là, on arrive, genre, ah non, c'est chiant. Enfin, tu vois, sachant que tu peux pas te défendre, tu peux rien faire. Enfin, je sais pas. Hein, franchement, je sais que c'est très pessimiste, très anti-cathotradie. Pas contre les cathotradies, mais contre leur façon de penser. Qui pensent que la France, c'est la fille aînée de l'Église et que c'est par là que le renouveau va se refaire. Moi, je crois que la France, c'est la fille aînée de Satan, hein, franchement. On va vivre l'effondrement le plus rapide et le plus ridicule de l'histoire de l'humanité. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je crois que c'était l'imam Khomeini de la Révolution iranienne qui disait que les États-Unis c'est le grand Satan et que la France c'est le petit Satan. ouais, c'est vrai. Mais le seul problème, c'est que les États-Unis, c'est un pays très récent, alors que nous, on a quand même, je veux dire, à la base, ça pèse, hein, la France, hein, c'est pas n'importe quoi, hein. C'est un phare civilisationnel. Hein. Franchement, à quelques batailles près, le monde entier parlait français. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais du coup, mais là, moi, je parle en 2023. Tu sais, c'est comme, ça nous fait parler de l'actualité, mais tu sais, la cérémonie d'ouverture là, du rugby, là, avec les trucs franchouillards et tout. Mais il n'y a pas à être pour ou il n'y a pas à être contre. Ça veut juste dire que, en gros, depuis le béret, la baguette, on n'a rien inventé, quoi. Il n'y a rien, tu vois, rien fait, quoi. Tu vois, genre, on va rester sur cette image d'Épinal de la France. Enfin, c'est pourri, en fait. C'est merdique. Et que les gauchistes
trouvent ça réactionnaire ou que les droitards ils trouvent ça bien, des deux côtés, c'est pourri. C'est idiocratie, quoi. On est en train de se branler ou de s'insurger contre un béret, une baguette et une moustache, quoi. Mais ça fait pas. C'est pas ça la civilisation, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pourri. Ils sont allés faire même des polémiques sur le Puy du Fou. Genre, ouais, le Puy du Fou et tout. Ouais. Moi, tu me connais. Moi, je suis pas dans, en mode réactionnaire, conservateur, tout. Moi, ça me fait chier, hein, le Puy du Fou. Mais je trouve ça cool, tu vois. T'as des deux, trois trucs. Ça te parle des chevaliers, des templiers, des poilus. Enfin, tu vois, ça fait pas de mal, quoi, tu vois. Mais apparemment, c'est un problème pour les gauchistes, ou alors c'est trop trop bien pour les droitards, alors que c'est un parc d'attractions de merde, hein, quand même. Tu vois, c'est là où je suis désolé. Tu sais, j'ai un peu. Tu sais, c'est un peu le. Ce que je dis, c'est un peu face, je gagne, pile, je perds. Tu vois ce que je veux dire ? C'est, en fait, pour moi, les débats sont pourris, en fait. Tu vois, c'est. Je dois choisir, je dois tout le temps choisir entre la peste et le choléra, quoi. Mais je m'en fous, en fait. C'est merdique. Qui en parlait bien, c'était Céline, quand il disait. Quand il parlait des prisons et qu'il comparait ça aux foires et là où les endroits où les gens s'amusent et la vulgarité que ça engendre comparé à des lieux de souffrance où il y a au moins une dignité, ça a de la gueule. C'est carrément ça. Ouais. C'est... Ils iront à l'abattoir en chantant la Youpignole. En fait, c'est lui. Là, Fritz Corleone, il peut aller se recoucher. Hein. Fritz Corleone, il peut vraiment aller à la niche parce que là. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire Céline, c'est le vrai Fritz Corleone, en fait. Il envoyait trop du lourd, Céline. Non, je sais, quand il dit, tu sais, le goy, quoi, l'arien, tu lui mets de la musette avec un coude rouge et il est prêt pour signer, tu sais, pour toutes les boucheries de l'histoire de la Terre, quoi, tu vois. Genre, il est content, quoi. Genre, il est trop con, tu vois. C'est trop ça, quoi. Tu sais, c'est le spectacle, mais tu sais, même cheap, quoi. Tu vois, oh, t'as un coup de rouge, je te mets un coup de rouge, un coup de musette, vas-y, tu signes pour les tranchées. Oh, vas-y, pas de souci. Le mec, il y va et tout. Ouais, c'est trop bien, Louis Ferdinand Céline, quoi. Et certes, il a des propos polémiques, mais sur son pacifisme, sur son anti. Tu vois, il a eu besoin de la Première Guerre mondiale, il a compris. Et après, lui, il a toujours dénoncé, tu sais, rien que le titre des livres, hein, L'école des cadavres ou Bagatelle pour un massacre, c'est écrit avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, rien que le titre, il est prophétique. Hein, c'est. Vous allez signer pour crever, quoi, les gars. Quoi. Bon, bah ok, hein, mais moi je vous laisse. Quoi. Ben, moi j'ai un peu ce côté-là. Imagine-moi en 2023, sachant que je comprends déjà ce que veut dire Céline en 39. Quoi. Donc il y a un moment donné. Je vais me remettre à relire un peu de Céline. Faut pas attendre que je sois optimiste. Hein.